Ouh. Salut les amis, c'est Mamak, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de la minute du jour. Il fait extrêmement froid. Je fais quand même ça en dehors parce que justement on va se poser la question d'aujourd'hui qui est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une motivation aujourd'hui que je vais te donner. La phrase en fait c'est fonce dans tout ce que tu fais. Tu vois, comme je te dis, ça va être une motivation. Là, je te motiverai à vraiment foncer dans tout ce que tu fais afin de ne pas regretter en fin de compte si jamais tu passes à côté d'une opportunité. Donc, il faut toujours foncer dans ce que tu fais. Là, je viens de sortir d'un magasin informatique qui se trouve dans mon village. Et donc, en fait... j'ai pas réfléchi en fait, je suis parti le voir, je suis parti sans réfléchir dans le sens où j'avais une idée en tête. Voilà, moi je crée des sites internet, etc. Je suis parti le voir, plus ou moins au culot. Je lui ai dit écoute, voilà, moi je sais faire ça, je sais créer des sites internet, etc. Et il s'avère que lui, il ne savait pas bien maîtriser le logiciel de la création de site internet. Donc en fait, il y a un logiciel, donc vous le savez, enfin vous le savez pas, mais je vous invite à regarder mes vidéos donc de ma seconde chaîne où je parle vraiment que de business. Donc du coup, on utilise ce logiciel en fait pour créer des sites internet. Et moi, je le maîtrise mieux. J'ai réussi à créer mon site avec, je le maîtrise mieux. Mais lui, il maîtrise pas bien ce logiciel. Donc, en fin de compte, à la fin de la discussion, on a fait un sort de partenariat. Ce qui fait que lui, lorsqu'il aura des clients sur la création des sites internet, c'est tout simplement moi qui vais créer les sites internet à sa place. Et donc, du coup, on fait un partenariat comme ça tous les deux. Et moi, je touche une commission sur ce qu'il fait. Alors je suis vraiment désolé, on est au bord de la route, vous entendez sûrement le son des voitures, mais je vais faire en sorte de parler fort et concentrez-vous sur ma voix, voilà. Donc tout simplement, foncez dans tout ce que vous faites, réfléchissez pas, ça sert à rien de réfléchir. Si vous réfléchissez en fait, c'est une barrière psychologique que vous vous mettez pour ne pas atteindre votre objectif. Donc faut pas réfléchir. Faut pas réfléchir, il faut foncer. Donc foncez dans tout ce que vous faites. Donc là quand même, il est quelle heure? Il doit être plus de 16h30. En fait, il faut vraiment foncer dans tout ce que vous faites. Parce que si vous réfléchissez, ça va pas le faire. Tous les matins, levez-vous, motivez-vous et donnez-vous, je sais pas, peut-être un objectif à faire dans la journée. Voilà, j'ai eu l'idée ça tout à l'heure. C'est avant de partir, j'ai eu l'idée, je me suis dit mais attends, il y a un magasin de PC en bas, pourquoi tu descendrais pas pour... même s'il fait froid, regardez, il fait froid. Quand on voit le paysage, c'est blanc, gelé de partout. Et pourtant, j'y suis allé, je suis descendu, j'ai pris mon gros manteau et puis voilà, je suis descendu. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur d'agir en fait. Motivez-vous et allez de l'avant. Dans tout ce que vous faites, c'est de toute façon que comme ça que vous allez pouvoir, vous progresser dans tout en fait. Si tu fonces pas, tu vas toujours aller à reculons. Donc en fin de compte, il faut vraiment foncer dans tout ce que on fait. Là, j'ai foncé, je suis très fier de moi. Même si des fois on peut se prendre des murs, c'est pas grave, on se relève et on avance. Bon, je vais arrêter parce que là j'ai les mains qui sont gelés, j'ai pas de gants, les mains qui sont gelées, il doit faire moins 7 degrés. En tout cas, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo de la minute du jour. Passez une bonne journée, ciao ciao.